Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 18, Col de l'Avalanche. Oh oh oh, j'ai lancé le sort. Maintenant, le monde n'est plus qu'une fine poussière éclatante comme de la neige. J'ai entendu parler d'un voyageur qui vient toujours mettre son grain de sel quand on lance le sort. Mais je ne me laisserai pas faire. Yetas, Yeta, je compte sur vous deux. Bonjour. Et il neige ? Je déteste vraiment le froid, je suppose que tu ne le savais pas. En ce qui te concerne, tu dois sans doute manquer de temps. Mais moi, ce qui me manque, ce sont des manches. Alors je te prie de te dépêcher, Nash. Occupe-toi rapidement de ce seigneur du mal. Oh, et encore une chose, cet endroit subit beaucoup d'avalanches. Tu pourrais te faire prendre dans l'une d'elles si tu te précipites. Lorsque tu te fais prendre dans une avalanche, tu ne peux pas utiliser ton équipement. Alors sois prudent, Nash. C'est parti. D'abord, on va gagner un petit peu d'expérience. Comme d'habitude. Ah, à droite il y a l'avalanche. Voilà. Donc cette avalanche elle est importante. On va aller au village d'abord. On va manger un petit coup. Alors, s'il y a tant d'avalanches, c'est à cause de la grotte des monstres. Donc là, ça c'est important aussi. Et là, on a les bottes qu'on peut pas acheter. Notre perso se traîne un petit peu. Mais ça c'est dû à l'équipement que j'ai mis aussi. Hop, petit coup à la statue. On continue. Il faut gagner quelques niveaux. On va attendre que l'avalanche passe. Voilà. Et on va aller se battre dans cette nouvelle zone. Parce qu'il y a des monstres un peu plus forts, comme celui-là. Le combat très tendu. Voilà, on va rentrer. Hop, on peut manger, parler à la statue. Et acheter les bottes de neige. On continue. On va encore attendre que l'avalanche passe un petit peu. Voilà. Et on va aller XP encore ici. On va monter. Et on va aller dans la grotte là. Qui êtes-vous ? Alors c'est vous ce voyageur. Allons-y Yeta. Je suis Yetas, d'accord ? Ne vous trompez pas. Moi c'est Yetas avec un S. Moi c'est Yeta. C'est discuté, il est temps de combattre. J'ai perdu. Ah. Voilà, et on va se dépêcher de rentrer. Tout juste. Hop. Allez, on va y aller. Et voilà. On va encore gagner un petit niveau. Et maintenant on y va. Belle traversée, mais votre aventure s'arrête ici, gelée jusqu'à la mort dans ce froid. Voilà, parfait, on les tue en un coup. Oh, si chaud. Éphémère comme la neige, je suis destiné à m'éteindre de la même manière. Et voilà, 4 réussis. Attendez, voyageurs. Vous nous avez sauvés. Même pour nous, il est insupportable d'avoir de la neige tous les jours de l'année. Alors voici un petit quelque chose pour vous remercier. Chacun a mis du sien pour vous l'offrir. C'est une très bonne arme. La lance tenante. On verra ça. Bon travail, Nash. Beau et éphémère. Dis-moi, Nash, tu ne trouves pas que la neige me ressemble ? Mais oh, quoi qu'il en soit, allons-y. Et voilà, petit générique qu'on va zapper. Alors, il y a plein de choses qu'on a ratées. En faisant le titre chasse-neige. Donc en fait le titre chasse-neige, il consiste à aller dans la grotte en haut et à tuer Yeta et Yeta. Et le titre lingerie, lui il consiste à se faire prendre dans l'avalanche. Donc vous avez vu que l'avalanche arrive toujours au même moment. Il suffit de remonter le temps pour qu'elle revienne. Donc vous vous faites prendre dans l'avalanche, mais vous allez vous retrouver sans aucun équipement. Et donc ça va être assez dur de battre le seigneur du mal. Du coup, essayez de gagner pas mal de niveaux avant de vous faire prendre dans l'avalanche. Une fois que vous êtes pris dans l'avalanche, revenez au village et la petite fille vous donnera le bonnet. C'est le seul moyen d'obtenir le bonnet et donc d'obtenir tous les équipements aussi de cette mission. Du coup, il faudra bien le refaire deux fois. Le classement.
Nash fut pris dans une avalanche, mais grâce à une volonté à toute épreuve, il réussit à parvenir jusqu'au château du Seigneur du Mal et à sauver une nouvelle fois le monde. Nash aurait bien aimé faire du ski. Ne ratez pas la suite de Hero 30, Terre Blanche. Et moi je vous dis à la prochaine fois pour l'épisode 19.